Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc nous sommes le 29 décembre, je viens d'apprendre, je ne suis pas assez l'actualité, donc depuis fin novembre, le capitaine Juvin Brunet est en prison et personne ne sait ce qu'il devient. Donc on est de tout cœur avec lui, avec toute sa famille et tous ses proches. Donc c'est un monde incroyable, c'est quelqu'un qui essaye de faire une monnaie, il a été attaqué sur la monnaie franc libre. On voit aujourd'hui les crypto-monnaies qui sont à mon sens, des escroqueries énormes parce que ce sont des monnaies en dehors des États, alors que ce qui caractérise la monnaie, c'est la santé ou la mauvaise santé ou la bonne santé d'un État, et chaque État doit avoir sa monnaie. C'est le privilège du prince, voilà. Crypto-monnaie, c'est pas grave, mais Juvin Brunet qui essaye de faire une monnaie qui soit ajustée sur l'or, alors ça, c'est un crime, voilà. Donc, on est en France, hein, on est en France. Il a un casier judiciaire vierge, il a tué personne, il a pas touché de gamin, et tout ça, tout va bien, quoi. Et on n'a pas de nouvelles de lui. Je viens d'apprendre ça maintenant, là, sur Twitter, j'ai pas assez regardé ces temps-ci. Donc on est de tout cœur avec lui, avec toute sa famille, avec tous ses proches. Et ben écoutez, voilà. Donc bon courage à vous tous. Bon courage à vous tous. Que les saints et les saintes du ciel et du purgatoire nous prient pour nous et nous protègent. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Notre âme de France, notre âme de Boulogne. Notre-Dame de France, Notre-Dame du monde entier, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.